bousculée pendant plus de 30 minutes, l'équipe de France a finalement pris le meilleur sur la Corée unifiée, 34-23, lundi soir à Berlin, lors de son troisième match dans ce mondial 2019. Les Bleus ont notamment pu compter sur Nedim Remili, 7 buts, et Quentin Mahé, 6 buts, pour faire la différence. Les joueurs de Didier Dinard, toujours invaincus, ont désormais rendez-vous avec l'Allemagne, le gros morceau du groupe A, mardi.